Bonjour, chers parents d'élèves. Bonjour, chers élèves de 5e année. C'est toujours le maître Cédric. Et je vous souhaite la bienvenue à notre leçon du jour. Comme vous le voyez, aujourd'hui, nous allons travailler en orthographe. Bien. Sans plus tarder, nous allons découvrir ce sur quoi nous allons travailler aujourd'hui. Et pour cela, je vous invite à traiter avec moi de l'activité 1 qui s'affiche sur votre écran. Ensemble, faisons la lecture. Activité 1. On donne la phrase suivante. Les touristes, après plusieurs longs voyages en train à travers le pays, décident de se reposer. Les touristes, après plusieurs longs voyages en train à travers le pays, décident de se reposer. Consigne. 1. Cherche et encadre le verbe conjugué de la phrase. 2. Souligne le sujet du verbe conjugué. Dis ce que tu remarques entre le sujet et son verbe. Et la dernière consigne. Mets le sujet au singulier et dis ce que tu remarques sur le verbe. Très bien, on revient. On nous donne une phrase. Les touristes, après plusieurs longs voyages à travers le pays, décident de se reposer. On nous demande de chercher et d'encadrer le verbe conjugué de la phrase. Ensemble, nous allons chercher le verbe conjugué. L'activité va s'afficher sur votre écran. Regardez dans la phrase quel est le verbe conjugué. On cherche, on regarde. Les touristes, après plusieurs longs voyages à travers le pays, décident de se reposer. Ici, le verbe conjugué est le verbe décide. Je sais que toi aussi à la maison, tu as identifié et encadré le verbe décide. Bien. Après, on nous demande de souligner le sujet du verbe, le sujet du verbe que nous avons encadré. Mais pour souligner le sujet du verbe, il faut d'abord le trouver. Donc, avant de souligner, on va d'abord trouver le sujet du verbe. Et la dernière fois, on a dit, pour trouver le sujet du verbe, il faut poser la bonne question avant le verbe. Je sais que tu te souviens exactement des questions qu'il faut poser lorsque je cherche le sujet du verbe. Donc, nous avons déjà identifié notre verbe, le verbe décide. Donc, avant le verbe, posons la question. On va poser la question, qui est-ce qui décide? Qui est-ce qui décide? Ce sont les touristes. La question nous a permis d'identifier le sujet du verbe que nous avons souligné ici, le touriste. Après, dans la consigne, on nous dit de regarder correctement le sujet et le verbe et de dire ce que l'on peut remarquer. Lorsque je regarde mon verbe encadré et mon sujet souligné, je remarque qu'il y a plusieurs autres mots entre le verbe et son sujet. Je me rends donc compte que ici, le sujet et le verbe ne sont pas rapprochés. Ils sont éloignés parce que séparés par plusieurs autres mots dans la phrase. Donc je dis, les touristes ici est un sujet éloigné. Les touristes, sujet éloigné. Bien. Après, on nous demande de mettre le sujet au singulier. Les touristes, pluriel, au singulier. Qu'est-ce que l'on va dire? Ensemble, on réfléchit. Au singulier, on dira le touriste. Le touriste. Très bien. Au singulier, on dira le touriste. Bien. Introduisons notre sujet singulier dans la phrase. On va dire le touriste. Après plusieurs longs voyages à travers le pays, décide de se reposer. Bien, arrêtons-nous au niveau du verbe décide. Ici, la terminaison est ENT. Terminaison plurielle, parce que le verbe conjugué avec le sujet, les touristes, qui est pluriel. Maintenant que notre sujet est singulier, est-ce qu'on va garder le verbe au pluriel? Non. Il faut mettre le verbe en accord avec le nombre du sujet. Donc, ici, je vais devoir conjuguer mon verbe « décide » au singulier.
Et la phrase sera, le touriste, après plusieurs longs voyages à travers le pays, décide de se reposer. Décide de se reposer. Ici, le verbe est conjugué à la troisième personne du singulier. Donc, on nous demande de dire ce que l'on remarque entre le verbe et son sujet, on l'a déjà fait, mais de dire également ce que l'on remarque au niveau du sujet, au niveau du verbe, lorsque le sujet est au singulier. On a remarqué que lorsque le sujet est au singulier, automatiquement, le verbe se met au singulier. On conclut donc ici qu'il y a accord entre le verbe et son sujet éloigné. Ce qui nous amène à dire, aujourd'hui, nous allons étudier l'accord du verbe avec son sujet éloigné. Donc, je vais écrire ici l'accord du verbe avec son sujet éloigné. L'accord du verbe avec son sujet éloigné. Donc, l'objectif du travail qu'on fera aujourd'hui, c'est de comprendre comment accorder le verbe avec un sujet éloigné dans la phrase. Mais avant de comprendre comment accorder le verbe avec son sujet éloigné, il faut d'abord qu'ensemble, nous puissions présenter le sujet et le verbe. Qu'est-ce qu'on entend par sujet? Qu'est-ce qu'on entend par verbe? Bien. Vous avez sur votre écran la présentation du sujet et du verbe. Commençons par le sujet. On nous dit, le sujet désigne la personne, l'animal ou la chose dont on énonce l'action, la manière d'être ou la qualité. Tout simplement, retenons que le sujet du verbe est un groupe nominal qui fait ou subit l'action exprimée par le verbe. Très bien, on revient. Donc, nous venons de présenter le sujet. Le sujet est une personne, un animal ou une chose dont on énonce l'action, la manière d'être ou la qualité. Le sujet est un groupe nominal qui fait l'action. Lorsque je dis Aubon coupe un arbre, ici, le sujet Aubonne fait l'action de couper l'arbre. Mais lorsque je dis la fenêtre est ouverte par Jules, ici, ce n'est pas la fenêtre qui fait l'action d'ouvrir, mais c'est la fenêtre qui subit l'action d'ouvrir. Donc ici, nous avons un sujet qui subit l'action, la fenêtre, et un sujet qui fait l'action. Donc, on revient toujours sur la présentation du sujet et du verbe. Maintenant, pour trouver le sujet, on pose la question « qui est ce qui ?» ou « qu'est-ce qui ?» avant le verbe. On revient. On nous dit, pour trouver le sujet d'un verbe, il faut poser la question « qui est ce qui ?» ou « qu'est-ce qui ?» avant le verbe. On revient. Prenons la phrase « Aubonne coupe un arbre ». Ici, le verbe est « coupe ». Si je veux trouver le sujet de ce verbe, il me suffit de me placer net avant le verbe conjugué et de poser la question « qui est ce qui coupe un arbre ?» La réponse à ma question sera « Aubonne ». Aubonne est donc le sujet. Ici, la fenêtre est ouverte par Jules. Le verbe conjugué est ouverte. Si on me demande d'identifier le sujet de ce verbe, je vais tout simplement poser ma question avant le verbe. Qu'est-ce qui est ouverte par Jules? Réponse, la fenêtre, sujet du verbe. Voici comment on parvient à trouver le sujet du verbe dans une phrase. On revient toujours sur la présentation. Maintenant, on a terminé avec le sujet, nous allons passer au verbe. C'est quoi un verbe? Le verbe exprime l'action réalisée ou subie, ou encore l'état du sujet.
Le verbe s'accorde toujours en personne et en nombre avec son sujet. Très bien, on revient. On nous dit, le verbe exprime l'action, réalisée ou subie. Ici, nous avons l'action de couper un arbre. Cette action, elle est réalisée. Ici, nous avons dans la deuxième phrase, la fenêtre est ouverte par Jules. L'action d'ouvrir, c'est la fenêtre. Cette action, elle n'est pas réalisée, mais elle est subie ici par la fenêtre. Car ce n'est pas la fenêtre qui ouvre la porte, mais ce n'est pas la fenêtre qui ouvre, mais c'est la fenêtre qui est ouverte. Donc c'est la fenêtre qui subit l'action du verbe. Maintenant que nous avons présenté le sujet, nous avons présenté le verbe, nous allons maintenant pouvoir utiliser tout ce que nous venons de dire ici pour voir comment, dans une phrase, accorder le verbe avec son sujet éloigné. Commençons par la première activité. Ici, j'ai varié les temps pour passer des temps simples au temps composé. La première phrase, ici, le temps est le futur simple. On lit la phrase. La petite Aubonne, après la lecture de la lettre de son père, ici nous avons le verbe décider entre parenthèses, de lui répondre par Internet. Bien, affichons l'activité sur votre écran. Activité 2. Activité 2. OK. Dans la consigne, on nous demande de réécrire les phrases ci-dessous en conjuguant les verbes entre parenthèses au temps indiqué. Donc, nous avons notre toute première phrase, la petite Aubonne, après la lecture de la lettre de son père, en parenthèse, le verbe décider de lui répondre par Internet. Très bien, on revient. Exécutons la consigne. Conjuguons le verbe décider au futur simple en accordant verbe et sujet éloigné. Pour cela, il faut d'abord pouvoir identifier le sujet du verbe. J'ai un verbe entre parenthèses. Mais qu'est-ce qui va être le sujet de ce verbe? Je vais donc poser la question, comme nous l'avons vu au niveau de la présentation du sujet. Ici, je vais me demander, qui est-ce qui doit décider de répondre par Internet? Qui est-ce qui doit décider? Mais c'est la petite Aubonne qui doit décider. Donc, le sujet de mon verbe ici va être la petite Aubonne. Et on voit qu'entre le sujet la petite Aubonne et le verbe décider, il y a plusieurs autres mots. On peut alors dire que la petite Aubonne est un sujet éloigné. Maintenant, conjuguons le verbe et voyons comment il va s'accorder avec le sujet. La petite Aubonne, sujet du verbe, genre féminin, nombre singulier, au futur simple, on dira tout simplement la petite Aubonne, après la lecture de la lettre de son père, décidera de lui répondre par Internet. Voici notre verbe conjugué. Ici, le verbe est conjugué avec le sujet « la petite Aubonne » qui est un sujet qui appartient à la troisième personne du singulier. Dans la conjugaison du verbe, nous avons dit décidera. Mais ici, le verbe décidera, quand on se réfère à la terminaison, lui aussi est conjugué à la troisième personne du singulier. On remarque alors que le verbe décidera est en accord en personne et en nombre avec le sujet la petite Aubonne. Très bien. Passons à la deuxième phrase. Ici, le temps que nous avons choisi est le passé composé. Lisons la phrase. La phrase s'affiche sur votre écran. Le père d'Aubonne, ne s'imaginant pas une réponse si rapide, entre parenthèses, on a mis le verbe être, surpris et fier de sa fille. On revient. Nous avons ici, entre parenthèses, le verbe être. On nous demande de réécrire la phrase au passé composé en conjuguant le verbe « être ». Pour cela, il faut d'abord identifier qu'est-ce qui va être le sujet de notre verbe. Ici, je vais me poser la question tout simplement de savoir qui est-ce qui sera en état d'être surpris et fier de sa fille. Mais c'est le père d'Aubonne.
Le père de bonne est donc le sujet du verbe ici, en parenthèse, le verbe être que nous allons conjuguer au passé composé. Mais le sujet, le père de bonne, est un sujet de la troisième personne du singulier. Alors, le verbe doit être conjugué en accord, en personne et en nombre avec le sujet. Le passé composé, on l'a vu, pour conjuguer un verbe au passé composé, nous avons besoin de l'auxiliaire être, de l'auxiliaire avoir, accompagné du participe passé du verbe à conjuguer. Donc ici, nous allons utiliser l'auxiliaire avoir pour conjuguer le verbe être. Vous savez que au passé composé, lorsque je veux conjuguer avoir ou être, ben, c'est l'auxiliaire avoir que j'emploie. Donc, nous allons conjuguer l'auxiliaire avoir au présent et ajouter le participe passé du verbe être. Et on dira, le père de bonne, ne s'imaginant pas une réponse si rapide, a été surpris et fier de sa fille. Nous avons ici le verbe conjugué au passé composé. Auxiliaire conjugué accompagné du participe passé du verbe à conjuguer, qui était ici le verbe être. Maintenant, vérifions l'accord. Ici, l'auxiliaire, c'est l'auxiliaire avoir. Au présent, nous allons dire j'ai. Tu as, il a. Donc ici, lorsqu'on dit il a, l'auxiliaire avoir est conjugué à la troisième personne du singulier. Qu'est-ce que l'on remarque? On remarque que le verbe conjugué au passé composé et le sujet éloigné, le père de bonne, partagent la même personne et le même nombre. On conclut alors que le verbe ici est en accord, en personne et en nombre avec son sujet. Terminons par la troisième phrase. Le temps ici choisi est le plus que parfait. La phrase est sur votre écran. Lisons-la ensemble. Les femmes du village, dans le cadre de la lutte contre le paludisme, en parenthèse, on a mis le verbe recevoir, par les autorités sanitaires locales. Très bien, on revient. Les femmes du village, dans le cadre de la lutte contre le paludisme, en parenthèse, nous avons le verbe recevoir par les autorités sanitaires les autorités sanitaires locales. Bien, ici, nous avons un sujet que nous allons qualifier de passif, parce que ce ne sont pas les femmes du village qui vont faire l'action, mais ce sont les femmes du village qui vont subir l'action du verbe recevoir. Donc, pour conjuguer au plus que parfait, il faut d'abord aller chercher le verbe. Pour chercher le verbe, nous allons poser la question avant le verbe et nous allons dire tout simplement qui est-ce que va recevoir les autorités sanitaires locales? Qui sera reçu par les autorités sanitaires locales? Mais ce sont les femmes du village. Les femmes du village est donc le sujet du verbe recevoir, un sujet passif, parce qu'il ne va pas faire l'action, il va subir l'action. Pour cela, on va ressortir le genre et le nombre du sujet. Les femmes du village. Les femmes du village. Ici, nous avons les femmes du village que l'on peut remplacer par le pronom personnel « elle » au pluriel, qui correspond à la troisième personne du pluriel. Comme le sujet est de la troisième personne du pluriel, le verbe doit être lui aussi conjugué à la troisième personne du pluriel. Le temps est le plus que parfait, un temps composé comme le passé composé. Et je sais que tu sais conjuguer des verbes au plus que parfait. On va rappeler, pour conjuguer un verbe au plus que parfait, on conjugue l'auxiliaire être ou avoir à l'imparfait, suivi du participe passé du verbe à conjuguer, tout en faisant attention à l'accord. Donc ici, nous allons dire, les femmes du village, dans le cadre de la lutte contre le paludisme, étaient reçu, mais nous n'allons pas nous limiter là. On a dit, il faut accorder le verbe avec le sujet. Donc, comme le sujet est féminin, je vais donc accorder en genre en mettant un E.
Et comme le sujet est pluriel, je vais accorder un nombre en mettant le S. Et je vais dire les femmes du village, dans le cadre de la lutte contre le paludisme, étaient reçues par les autorités sanitaires locales. Qu'est-ce que l'on remarque ? Ici, le verbe « était reçu » est en accord avec son sujet « éloigner les femmes du village ». L'accord s'est fait en genre et en nombre. Donc, à partir de là, à partir de l'activité 2, on peut déjà retenir que dans une phrase, même si le sujet est éloigné au verbe, il doit toujours s'accorder en personne. Ce qui nous amène à dire, de façon générale, le verbe s'accorde toujours en personne et en nombre avec son sujet, même si celui-ci est éloigné. J'espère que tu as très bien retenu cette leçon, ce résumé que nous venons de faire. Maintenant, on va essayer de voir si tu as retenu en te proposant une activité de fixation. Activité de fixation va s'afficher sur votre écran. Très bien. Activité de fixation. Consigne. Souligne le groupe sujet et encadre le groupe verbal dans les phrases ci-dessous. Première phrase, les piétons, conscients des dangers liés à la traversée de la route, respectent les feux tricolores. Deuxième phrase, les feuilles mortes, pleines sur nos arbres en cette saison sèche, sont tombées à cause du vent. Très bien. J'espère que tu as bien lu les phrases et tu as retenu la consigne. On nous donne des phrases, on nous demande de souligner le groupe sujet et d'encadrer le groupe verbal. J'espère que tu as pu souligner le groupe sujet et encadrer le groupe verbal parce que je vais te proposer une correction. Très bien, la correction va s'afficher sur ton écran. Bien. On nous demande de souligner le groupe sujet et d'encadrer le groupe verbal. Moi, j'ai différencié la couleur du groupe sujet et la couleur du groupe verbal. Tu as donc les groupes sujets qui sont soulignés et écrits en rouge et les groupes verbaux qui sont ici en bleu. Tu remarques dans la première phrase, les piétons, conscients des dangers liés à la traversée de la route, respectent les feux tricolores. J'ai coloré l'expression « respecte les feux tricolores » en bleu parce que c'est cette expression qui est mon groupe verbal. Et dans ce groupe verbal, j'ai un verbe conjugué accompagné d'un complément d'objet direct. Et dans la deuxième phrase, j'ai souligné le groupe nominal « les feuilles mortes » car c'est ce groupe nominal qui est sujet du verbe. « Les feuilles mortes » pleines sur nos arbres en cette saison sèche, sont tombées. En bleu, j'ai mis le verbe « sont tombées » qui est en accord avec le sujet éloigné, les feuilles mortes. J'espère que tu as compris à travers cette activité de fixation comment accorder le verbe avec son sujet éloigné. Mais je ne vais pas te laisser comme ça. Voilà pourquoi j'ai prévu pour toi une activité que j'ai appelée activité de consolidation qui va te permettre de t'exercer à la maison. Voici la référence. L'activité de consolidation, tu vas la trouver à l'exercice 1 de la page 83 dans la rubrique « Je m'entraîne » du livre « Super en français 5e année ». J'espère que tu as bien noté la référence de l'activité numéro 1, page 83, livre « Super en français 5e année ». Bien, mes chers élèves, nous sommes arrivés au terme de notre leçon. Mais je ne peux pas m'en aller sans rappeler les mesures barrières dans la lutte contre le coronavirus. On ne va cesser de les répéter. Toujours se laver les mains avec de l'eau et du savon. Éternuer ou tousser dans le creux de son coude. Garder une distance d'au moins un mètre avec les autres. Et surtout, rester à la maison. Moi, je vous dis au revoir et à la prochaine.